Et les gens, bienvenue sur frappstesjeux.fr ou sur mon blog tissant3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur le jeu Assassin's Creed Origins sur PC, donc un jeu qui m'a été offert par ce livre, je tiens à le rappeler, à savoir que c'est... On est ici, c'est en fait sur les DLC. Le premier en l'occurrence, DLC, ceux qu'on ne voit pas, je crois. Et j'ai envie d'avoir le hockey depuis tout à l'heure. Non, ça va, ça passe. Ouais, on se calme, hop. Ah bah voilà. Je dois trouver un moyen d'entrer dans la pyramide. Du mal à respirer. C'est bon, ça va venir. Gamilat, qui es-tu? Que vois-tu? Que fais-tu? Notre héros. Tu tombes à pic. Nous préparons une attaque contre Ptamos, le maçon de Rufio. Ah, il a ordonné ce pillage. Oui, le temple aura bientôt disparu. La pyramide aussi. Aux yeux de Ptamos, l'Égypte n'est rien. Il emploie des Nabatéens pour mener à bien le sale travail que Rufio lui a confié. C'est un Wicca sans âme. S'il le pouvait, il ferait d'Amon l'esclave de Rome. Allez, vas-y, viens. La population a besoin de monuments et de lieux sacrés. S'ils disparaissent, le peuple ne s'en relèvera jamais. Putain, il a un visage de PS3, allez. Pas, ce Ptamos marchera bientôt parmi les morts. Tellement lisse. Alors, par là-bas. Ça fait tourner la pyramide, machin chose, d'Amena. Loin de son campement, nous devons agir. Si nous l'éliminons, nous deviendrons des légendes. Mais je suis déjà une légende, monsieur, j'ai pas besoin de ça. Je serai à tes côtés, compte sur moi. Chut, silence, ne t'énerve pas. Silence, mange des pommes. Par où puis-je passer, moi? Ah bah ouais, il y a un trou ici. Il y a des chiens de Romains. Normalement, c'est une zone que j'ai déjà visitée, donc ça devrait pas être trop compliqué non plus. Cet endroit est très bien gardé. Ouh. C'est marrant parce que... Quel que soit le jeu que je fais avant, on a l'impression que Assassin's Creed ne fonctionne pas très bien au début. Ça ne ferait pas. Raté. Je crois qu'il y a du danger. Ici, c'est moi qui donne les coups, monsieur. Voilà, au revoir. Il descend de la montagne sans cheval. Tum tum tum. Alors, est-ce que c'est la séquence où... BG avait eu énormément de mal à avancer. Ou pas. À cause du bug. Alors je précise que c'est pas parce qu'il avait des difficultés, mais c'était à cause d'un bug. Le jeu avait planté, le personnage ne sait plus ce qu'il fallait. Nick, il est mort. Gamilat. Il y a de l'eau, parce que sinon j'ai fait tout le reste sur l'autre carte, hein, donc... Il y a un passage secret en bas. J'ai eu peur de tomber sur le petit espace, la colonne qui est là, je me suis dit je vais me la prendre. Il n'y a pas moyen, je vais me la prendre. Et en fait non, ça va. Ça se passait plutôt bien, on s'en éloignait assez vite. Et donc un passage secret en bas. Mais, du coup là, c'était pas dans un DLC? Bon bah ça veut dire qu'on les a toutes faites alors. Il est passé où le tombeau là que je viens de casser? Il y a un tombeau qui est descendu d'un étage, hein, on va pas se le cacher, il est où? On voit pas. C'est bizarre. Bah moi non plus il me semble que c'était pas dans le DLC, mais j'ai pas retrouvé l'endroit où ça avait. Ou alors j'ai pas fait la quête. Secrète de nos ancêtres. N'est-ce pas magnifique? Si nous trouvons des trésors, ils financeront notre cause. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils construisaient ici? T'es sûr que c'est pas là? Nous allons devoir trouver un passage. T'es sûr que c'est pas ça pyramide. Un projet malheureux de Taharqa, en l'honneur du pharaon Amenmes. La légende raconte qu'une pierre sacrée est tombée du ciel. Taharqa, on aurait réuni des fragments.
Il serait à l'intérieur de la pyramide. Ce que j'aimerais les trouver. Aganou les appelle les éclats d'étoiles. On raconte qu'une lame taillée dans un de ces fragments accorde un grand pouvoir. J'adorerais voir une telle arme entre tes mains, Bayek. Les Romains ne doivent pas trouver ces éclats. Je vois pas le rapport, là. Je sais plus. Mais là, c'est la seule mission depuis qu'on a commencé qui me nécessite de passer par un mec. Hein. Donc c'est pour ça que je dis ça. Pas que on est avec un mec. Attends, j'arrive. Oh, tu m'étonnes. Pas encore assez haut pour lui, ok. Est-ce que je peux trouver une troisième bobine? Une bobine est demandée à l'accueil, s'il vous plaît. Nous appelons bobine, bobine! Bobine? Là! Bonjour bobine, ravi de te rencontrer. Parce que là, apparemment, moi je peux monter directement, donc c'est lui qui pose problème, hein, c'est pas moi. Mais ça, tout d'abord, ils se foutent de qui là, les gars? Je me dis que ça pourrait être juste après là, l'étagère avec les. C'est bon là? T'es assez haut? J'y suis presque! C'est bon? Je rejoins la sortie! Merci au toit, celui qu'on ne voit pas! Ouais, bah écoute, la prochaine fois, faudrait que tu fasses mieux que ça, hein. Feignasse! Bah, je me dis que c'est l'une des zones, l'une des rares zones où on doit, on est suivi par quelqu'un pour l'instant, donc si c'est pas ici, je vois pas où ça pourrait être. Ah non, faut que je déplace ça, d'accord, ok. Tu veux pas les déplacer, non mais, sérieux quoi. Ces serpents me rappellent Apep. J'ai déjà affronté Apep. Encore des obstacles. Ouais, c'est pas un problème. J'ai pas envie de sortir autre chose. Ah, ah. Vous êtes au service de Rome? Oui. Et j'ai eu. Reste c'est sur celle-là. La plateforme. Je vais la faire monter. C'est celle-là.
c'est celle-là. Tu sais, je me rappelle même plus ce que t'avais fait en fait. Tac, tac, tac. Le but du jeu, c'est qu'il puisse monter par ici. Et ça, c'est la suite de l'histoire. Il me semble peut-être que je me relève, on a pas besoin de rester assis là. Bon, on y va sans lui, non? Hop, hop, hop. Faut que j'aille plus loin pour récupérer les blocs, je sais même plus en fait. Je dois retourner chercher Galilat. Chaque chose en son temps, mon petit monsieur. Ah, raté! Le monsieur, il fait rien qu'à m'embêter. Ouh! On a rien à faire là de ça. C'est ça, ouais. Je crois me souvenir effectivement qu'il y avait eu un souci dans le chemin. Voilà, ça c'est fait. Je dois retourner chercher Galilat. Oui, oui, je vais aller le chercher, t'inquiète pas. Oui, tu me l'as répété un bon paquet de fois, on a compris. T'inquiète pas, ça va le faire. On va retourner chercher Galilat. Allez, quoi, ça va le faire. Bayek, je crois que j'ai trouvé les éclats d'étoiles. Qu'est-ce que tu as trouvé? Un rouleau! Nek! Où sont ces objets sacrés? Partons vite d'ici. Il a un petit souci. Bon bah ça va quand il n'y a pas de bug hein, en fait, c'est pas compliqué. Partons vite d'ici. Ouais, mais moi je peux rien. Je peux même pas aller lire les rouleaux. Le mec il a pris les rouleaux, il m'a même pas entendu. Attendu. Ah, attendu. J'arrive plus à parler. Allez, viens. Nous n'avons pas encore terminé. C'est le dernier combat avant la liberté. Bah ouais, non mais c'est ça, je suis totalement d'accord. Bon, j'étais là hein, quand c'est arrivé. Je me rappelle que ça a été une galère pas possible. Je fous le feu partout. Et je suis numéro 1. Je vais aller voir ce qu'il y a là. Ruse Nagi Boy. Et après ça continue plus loin. Je pense qu'on va prendre le bateau, on va aller parler au mec et puis c'est réglé comme ça. Non mais, non. C'est ça que je voulais faire. Pas grave. Bonjour monsieur, ravi de vous rencontrer. Garde ce rouleau, je ne peux rien en faire. Peut-être sauras-tu en tirer quelque chose. Un bon feu de camp. Je vais ordonner aux rebelles de mon avant-poste d'attaquer Clamo. Trop d'innocents risquent de mourir. Je vais m'en occuper seul. Comme tu voudras. Alors fonce sur lui comme l'âme céleste. Rouleau de Thoth, Nout Deslani. Il faudra que j'explore le temple de Thoth. Alors, inventaire.
Alors, Nout, déesse de la nuit, a craché et une boule de flamme s'est abattue sur la terre. Le métal du ciel le plus résistant a été façonné en deux dagues brillantes par Ptah, la dieu des forges. Ptah a demandé à Ré, où vais-je le cacher? La lumière t'indiquera le chemin, répondit Ré. Et Ré lui remit un réceptacle à la lumière, le cristal de Thoth. Il a apporté le cristal au temple de Thoth et l'a enchâssé dans les racines de l'arbre de vie. Né dans son temple, afin que nul mortel indigne ne le trouve. Le truc de Thoth, il est où du coup? Parce que le temple de Thoth, je sais pas où est-ce qu'il est. Ah si, il a le temple de Thoth. Bah faut qu'on aille au temple de Thoth dans ce cas-là. Temple de Thoth. Tu peux me cibler le bon truc, s'il te plaît? Voilà. Eh bah dis donc, j'ai galéré. Il tape sur des bambous et c'est numéro 1. Je vais vous dire quelque chose qui va grandement vous étonner, mais j'ai faim. Alors, ça c'est bon. Où est-ce que ça pourrait être ce truc du coup? Est-ce que c'est dans le temple ou... Ah ben l'arbre de vie il est là, je suis bête. Elle est impressionnante cette... ce obélisque. Serait-ce le fameux cristal de Thoth? Ceci représente le cristal de Thoth au sommet de l'obélisque. Bon bah allons mettre le cristal de Thoth au sommet de l'obélisque. J'ai déjà Odyssey, on me l'a offert, Dressing on l'a acheté, donc on le fera plus tard. Pour l'instant, il faut déjà que j'arrive à terminer Origins et ses DLC. Parce que j'ai vraiment envie de voir celui sur les pharaons. Enfin, la malédiction des pharaons, ou je ne sais plus très bien comment il s'appelle. L'arbre de mort, non. Je ne sais pas, c'est une bonne question. Où pourrait être l'arbre de mort sur la carte? Et j'aurais pu me téléporter, ça aurait été plus vite en fait, presque. Mais bon, on fait ça professionnellement parlant. Ça veut rien dire, mais... Histoire de pouvoir dire qu'on a fait les choses correctement. Tiens, vas-y, je te dépose. Ah, ça se met dans ce sens-là? Prévu les choses comme ça tout à fait, fais voir. Le jour s'est levé. Ah non, c'était le jour ça? Ah non, c'est bon. Sur une étrange idée. Ta-na-na-na-na-na. Ta-na-na-na-na. Ta-na-na-na. Ah, le miroir reflète la lumière du cristal. La lumière du cristal. Ouais, non, je suis pas sûr que ce soit ça. Le renvoyer où le truc? Est-ce que ça va pas assez haut? Ah non, c'est celui-ci qui va pas assez bien. Bah non, on a pas visé le bon. Ah bah que quiche! Ah bah que quiche! Voilà. On allait griller un chat! On allait griller un chat!
Par la lumière du soleil, Pachacamac. Là, nous grillons un chat. L'arbre de vie. Un chemin est apparu. Eh mais c'est que ça glisse là. Ça peut faire des escaliers au moins les gars. Ouh. C'est beau. Ma foi, c'est très joli. Je n'ai jamais vu de telles épées. Forgées dans le fer le plus solide. Elles n'ont pas rouillé malgré les siècles passés sous l'arbre. Ce doit être le trésor que cherche Tamoz. Le trésor de Rackham le Rouge. J'ai l'impression que je vais être enfermé ici pour qu'ils me mettent ça comme ça en fait. Mais ce n'est peut-être pas qu'une impression. Bon, ça s'ouvrira pas, on va les récupérer quand même, parce que j'ai l'impression que là-bas il y a des sorties, des trucs en sortie. Alors, qu'est-ce que c'est que ce machin? Et qu'est-ce que c'est que ce truc? Les 1000 points d'XP 4 terminés. Bah, ça va, tout va bien. Il y a un coffre par contre, là. Non mais oh. Ah, je crois que je vais pouvoir faire la dernière amélioration du grappin. Équipement. Pas du grappin, de la dague. Et voilà. Donc maintenant, il faut que de la pierre bizarre, là. Je crois. Pierre bizarre, pierre bizarre, pierre bizarre, pierre bizarre, pierre bizarre, pierre bizarre. Tout va bien. On est comme il faut. Directement en extérieur. Carte ensuite. Ou quête plutôt, parce que rien d'autre. Visiter les Aztèques, Maya et autres peuples amérindiens du sud en mode Prince of Persia. Je pense qu'il faudra attendre encore un peu pour ça. Je dis pas en termes de. Enfin, je pense. Pour moi, de mon point de vue, pour que ça me plaise, faudra attendre un peu parce qu'on a eu il y a peu Shadow of the Tomb Raider. Oula. Et je me dis que ça serait mieux de me tourner vers un autre type de truc, en fait. Alors, 39, le soleil couchant. On va faire ça. Comment ça, c'était Bean? Tu as vu machin, je sais plus comment il s'appelle? L'acteur? Allez, 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 wouhou! Je détiens le feu! Un assez à l'époque des gilets jaunes. Est-ce que tu crois qu'il y aurait quelque chose d'intéressant à raconter, toi? Ah, bonjour, mon ami. Qu'est-ce que je peux pour toi? Les gilets jaunes. J'en ai pas encore vu, moi, des vrais. Tu vois, c'est original, hein. Les gilets jaunes ne sortent pas de nuit. Très bien. Pognon, 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 pognon. Très bien. Pognon, 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 pognon. Pognon, 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 pognon. Vendu. Ouais. Il
Très bien. Vendu. C'est pas vraiment des ruines, hein, dans Shadow de Tomb Raider. Ouais, très bien. Vendu. Non, les pots, faut pas que je les vende, quelle quiche. Mais non, on les vend pas, les pots. On aura besoin. Mais les guides des âmes, elles rapportent plus. ...118 dégâts, là, 120. Ah non, qualité 8. J'allais dire, mais en fait, celle-ci, elle est mieux, mais en fait, non. C'est-à-dire que l'amélioré fait monter de 50 en dégâts. 507, 507... Quoique, celle-ci ferait plus de dégâts, du coup, la guide des âmes. 507, 503... Non mais attends, mais carrément, c'est celle-ci qu'il faudrait essayer d'améliorer, non? Bah ben non, mais ça n'a rien à voir, ça reste du 116, 503. Des fois, je comprends rien. J'ai des sous, je tente des trucs, hein. C'est toujours à plaisir. Alors, qu'avons-nous par ici? On a lui, carte, tuck. Je vais voir l'équipement en fait, parce que ça me perturbe cette histoire. 118, 107, ça a pas changé ça. Et la Vox Populi est en dessous de l'épée d'Ultima, au même niveau. C'est dommage qu'ils aient mis l'épée la plus puissante qui vient de notre jeu en fait. C'est un peu décevant. Masson et Amon a quitté ton cas. Il n'y reste qu'Anubis. Amen. Non, c'est pas ça. Je sais pas si chanter comme chanson. Oh, il est interdit de venir ici. Ah mais vu. Ah mais là il a allumé le truc des renforts. Mais pour rien qu'on tapait dessus. C'est vachement bien rempli par ici. Je pensais pas que c'était aussi grand. Bah.
L'homme dit de l'Égypte. L'ordre maçonnique apportera tous nos éclats sacrés dans les temples sublimes. Je fais mais n'importe quoi. Sous notre tutelle, l'œil d'Horus veillera sur l'Égypte et fera office de phare à nos ordres maçonniques. Apparemment l'assassinat du coup, hein, mais... Attends, je récupère ça et c'est bon. Bah... Ah, cinématique. Je pensais plus. Je l'avoue, j'y pensais plus. Rufio. Les éclats d'étoiles nous échappent toujours. L'ordre est éternel. Tu es éphémère. Call of Toulouse. Les cinématiques sont jolies, mais t'as l'impression que c'est tellement expédié après. Et paf, quête terminée. J'suis pas là. Je suis pas là. Hop, vous me voyez plus, je suis pas là. Alors, carte. Quête, pardon. Normalement, la carte elle est bouclée, y'a plus rien à voir là, plus rien à faire. J'ai dû faire le tour. Bon bah, quête principale du DLC alors. Déplacement rapide disponible, c'est parce que je suis encore recherché, c'est ça? Hein? C'est de la méchanceté gratuite. Allez, viens là, copain. Bah alors, ce type a pas bien passé là. Oui, on va aller là-bas. Comme ceci. On va bien voir si ça peut nous apporter. Il va bientôt être la fin de l'année. Bonne, c'est nous. Je sais toujours pas comment on fait pour la récompenser. Là, il faut monter tout là-haut. Par contre, est-ce qu'il y a vraiment pas d'autres quêtes qui sont apparues sur la carte? Pas d'autres points d'interrogation qui traînent, ça s'est vu, 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 ça s'est vu. Je crois qu'on est tout bon, hein. J'ai aucun point d'interrogation restant, au lieu non découvert, au lieu non accompli. J'ai amélioré toutes nos armes, tout ce qu'on avait à utiliser, donc on va partir par là-bas. Bonjour madame. Ravi de vous rencontrer. Et on va passer par ici. Je vais devoir être prudent. Bon, Bayek. Le moment est venu de s'occuper de l'homme de Rufio. Tacito vient souvent faire son nid au sommet de cette carrière. C'est un chef très brutal. Chaque jour, il fait un exemple parmi ses ouvriers.
Il est content, le monsieur. Allez, hop, c'est parti. Du coup, la suite. Pourquoi le tuer devant tout le monde ? Je suis complètement gouré, il est pas là. Un discours à l'obélisque. Tirer dessus. Oh là là. Ah, bougez pas. Descendez s'il vous plaît. Oh, c'est ceux qui viennent nous faire les. Bien joué, monsieur. C'est réglé, ça. Si tu le dis. Ces attaques, il n'a pas fait un. Ne comptez pas sur vos dieux, ni même sur votre Cléopâtre. L'Égypte est désormais la vassale de Rome. Souffrez-vous-en. Vous êtes le colonel de Rome et vous serez punis par cette alliance. Ce n'est pas moi qui vous châtirai. Ce n'est pas un pays qui vous châtira. Mais l'Union, dans toute sa grandeur, nous vous procurons de la bonne pierre forte. Nous vous donnons souvent à manger. Pourtant, certains d'entre vous se plaignent. Oui. Et kaboum. Voilà. Fini Tacito. C'est moi qui chante ici. Peuple égyptien, Rome saura vous guider avec sagesse. J'ai rien fait de ce type-là. J'ai pas écouté, mais normalement c'est pas moi. Faut que je retrouve Taïra. Alors elle est où Taïra? Ma foi, elle est juste au-dessus, donc on va aller la chercher. Salut Glomir. Il était pas intéressant son discours, hein, qu'on se le dise. Au leçon, tu comprendras. Le truc, c'est que j'ai peur que ça me mette du... D'accord, hop, je vais me faire tirer dessus. Ouais, j'espère que je ne taperai pas un strike pour ça, ce serait dommage. Bon, au pire, on supprimera ce passage-là. Mais non, je suis pas là. Bonjour, collègue. Comment tu vas où? Nous n'en avons pas fini avec les Romains. Tacito a davantage de ça. J'en suis certain. Si nous réussissons à les éliminer, cela pourrait provoquer un soulèvement, et le Sinaï ne s'en pas. Je crains le pire.
Libérer ces prisonniers pourrait nous aider à vaincre. Stop. Une approche discrète serait plus utile. Le renfort. Ces hommes viennent grossir l'offrande à Anubis. Et mais ça en fait des gens là-dedans. La grande Rome ne tolère aucune dissidence. Qui a osé soulever le peuple? Pourquoi t'as pas voulu te relever, madame? C'est le carnage. Pourquoi tu bouges pas? Le pays de la surfoise doit revenir au Nabatéen. Vous êtes libre, alors battez-vous. Il faut reprendre Nabata. Camilla ne sait ce qu'il fait. Notre rébellion grandit. Grand chose. Mais il en reste combien? Oh, il y en a un qui s'est planqué là-haut. Ah mince, j'ai raté. C'est la bonne. Il y a quand même moins de gens vivants. Hein. Bayek, tu n'as pas perdu tes talents de guerrier. Bah non, je suis un professionnel, madame. J'ai même pas laissé le dialogue se terminer. C'est le DLC, ça, ouais. Ça sera difficile. Rufio va envoyer d'autres troupes. Et dans la carrière, il reste des esclaves à libérer. Votre ténacité est votre plus grande force. Mais il est mort, Rufio. Il travaille pour Gamilat. Il nous a parlé de ceux qu'on ne voit pas, ces grands héros de l'ombre. Personne ne connaît ceux qu'on ne voit pas. En tout cas, merci de nous avoir défendus. Si je vois ton sceau à l'avenir, je le traiterai avec respect. Frappe chirurgicale. On ne voit pas. Leur annoncer la bonne nouvelle. Non, mais esclaves, oh bah hop, on refait le trajet dans l'autre sens, mais je crois qu'en plus on a même pas besoin de se casser la tête puisqu'on peut y arriver directement. Voilà. Il vaut quoi? Bah pour l'instant c'est sympa, ni trop long ni trop court, c'est ça a l'air plutôt cool. On a fait le tour de toute la carte, elle est pas super grande comparée à celle d'origine, et tant mieux, franchement tant mieux. C'est ça, avoir un bonus, quelques missions en plus, c'est sympa. Je trouve ça plaisant. Alors carte, tu as hop là. Au niveau de la taille de la carte, c'est ça. Donc ça va, c'est plutôt cool en fait, c'est pas très très grand. On a vite fait le tour en 3-4 vidéos. 3 cadavres, comme promis. Ne reste plus que Rufio. La nouvelle de ses morts va l'attirer dans le Sinaï. Gamilat est le héros de la région. Toute la population ne parle que de lui. Quelque chose ne va pas? La cause de ces rebelles est juste. Mais tu as vu comme moi que trop de villageois ont été victimes de ces affrontements. Beaucoup de gens sont morts. Tu en as parlé avec lui, Taïra? Pour lui, ce sont des martyrs. Leur mort pousse leur famille à se joindre aux rebelles. Cache-toi! Au feu! Sortez vite! Fais-la sortir! Par le passage! Bah et donc ça boule vite hein chez eux. Le tenant leur chef. Est-ce qu'ils vont nous la jouer à la Wolfenstein? Qu'est-ce que tu nous dis, Resitas, là? Encore? Oh,
Les vautours vont bien manger aujourd'hui. Hey, je vous tuerai tous. Ils m'ont rasé les cheveux et j'ai les dents noires, c'est rigolo. Et donc, ça avait de justesse. Habille-toi, tu veux. Fais preuve d'un peu de décence. Eh ben, dis donc, la blâme, madame. Vous avez trop attiré l'attention. On a entendu parler du bureau jusqu'à Rome. Je sais. Cet incendie en est la preuve. Il faut d'abord retrouver Tahira et Kashta. Ils sont retenus au fort Claustra. Oh, encore un fort. Je vais m'en occuper. Laisse-moi inspecter les lieux. Ça grouille de soldats romains. Mais c'est Aya. Retrouve-moi de l'autre côté du fort Claustra. Elle a une bonne capuche, elle. Avoir libéré les nôtres. Alors. Et c'est pas un petit fort en plus, encore une fois. Par contre, ouais, je pense à couper la rediffusion, lancer une nouvelle, peut-être, non? Bah alors, madame Isa, vous dormez pas? Je pensais que vous dormiez, moi, depuis le temps. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. On a plein de gens par là aussi, là. On décage. Il y a forcément moyen d'en faire quelque chose. Et je suis quasiment sûr que c'est Aya, oui. Du coup, on va couper la rediffusion ici en espérant que celle-ci vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve quant à nous très très vite pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif. N'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappestjeux.fr et passez une agréable fin de journée. Allez, prenez soin de vous et à ciao tout le monde. Salut.